Bonjour. La Covid est là, mais les autres maladies aussi. Aujourd'hui, on a choisi de parler sur l'AVC. L'AVC peut ressembler à un vrai tsunami dans une vie. Généralement, de survenue brutale, parfois après quelques prodromes, une vraie menace pour la vie dans certains cas. Dans d'autres, c'est une menace pour la capacité intellectuelle et motrice. Il y a une vie avant et une vie après l'AVC. Fort heureusement, les choses changent. Vous allez vous rendre compte en écoutant nos invités. Notre cerveau est protégé par sa boîte crânienne bien solide. C'est bien cette protection qui le rend peu accessible à l'exploration de la médecine. C'est pourquoi nous avons mis autant de temps pour avancer. Comme autant d'Hippocrate, et jusqu'à une époque pas très lointaine, mais heureusement bien évolue, notre seul moyen d'exploration du cerveau se limitait à l'examen clinique. Or, les dernières années nous ont offert une panoplie de choix, non seulement pour explorer, mais aussi pour prévenir dès les stades prodromiques, traiter énergiquement au stade aigu et même améliorer les conséquences au stade séquellaire. Tout ceci grâce à une meilleure compréhension des causes guidée par la recherche en reconnaissant les facteurs de risque et une meilleure utilisation des avancées techniques. Pour exposer toutes ces avancées concernant l'AVC, nous avons invité toute une équipe qui participe quotidiennement à la prise en charge réelle des patients souffrant d'AVC. La première, le docteur Hartz, amiénoise depuis plus d'une trentaine d'années, venant de Lyon, originaire de pays de l'Est. Sa spécialité est la médecine physique et adaptative. Elle m'a confié comment cette vocation est née chez elle, très tôt pendant ses études de médecine à Lyon, à une époque où cette spécialité n'était pas encore en vogue. C'était suite à une rencontre avec une rugbyman de 25 ans paraplégique. Elle était fascinée par l'amélioration spectaculaire de ses capacités suite à une rééducation intense dans un des centres de plus performants du pays. Madame Hartz est aussi la présidente actuelle de l'association France AVC. Elle est aussi présidente d'une association indissable qui œuvre en Afrique et précisément au Sénégal et s'occupe des enfants handicapés moteurs. Voyez-vous, son engagement est sans limite dans tout le sens du terme. Le deuxième, Dr Chantal Lamy, neurologue, praticien hospitalier dans l'unité neurovasculaire créée en 2008 du service de professeur Godefroy. Originaire de Lille, à Amiens depuis sa nomination en 2003. Elle m'a confié également « J'ai choisi la neurologie car le cerveau m'intrigue. Les AVC, c'est son quotidien. » Elle participe aussi à la recherche concernant des troubles cognitifs au sein de l'unité INSERM conduite par le professeur Godefroy, participe activement dans les protocoles nationaux pour la bonne prise en charge des AVC. C'est elle qui a créé et a présidé l'association France AVC qui participe au soutien des familles, à l'écoute et même quelquefois à la recherche. C'est elle qui va vous exposer le vrai progrès dans la prise en charge
au stade aigu des AVC avec la thrombolyse et la thrombectomie, ces gestes délicats qui imposent une prise en charge très rapide, urgent, tôt après l'accident vasculaire, nécessitant la mobilisation de toute une équipe des radiologues et des neurologues et bien d'autres. La troisième est le docteur qui est à côté de moi, docteur Valérie Leclerc, spécialisée en MPR, médecine physique et réadaptation. Son rôle est un peu plus tardif dans la prise en charge des AVC. Le but est de continuer la rééducation, la récupération et l'avancement pour minimiser les séquelles. Sensibilisée à l'handicap depuis très longtemps, d'abord à Berck, d'où elle est originaire, à l'occasion d'un travail épisodique comme aide-soignante, elle a pu toucher du doigt directement les conséquences d'un handicap. A fait ses études de médecine à Amiens, puis spécialisée, partagée entre CHU d'Amiens et Berck, ensuite partagée entre CHU et Corbie, pour s'installer définitivement à Corbie. Elle s'occupe du centre de la rééducation. Elle est aussi coordinatrice de l'équipe mobile SSR, fait partie du réseau traumatisme crânien AVC en Hauts-de-France. Participe dans les soins et suivi au foyer de l'adaptation par les jeunes adultes multi-handicapés. Bref, l'handicap, c'est sa vocation. Elle s'y connaît et assume. Je vous laisse écouter les trois. Eh bien, merci de nous avoir conviés à cette soirée sur les AVC, ce mardi de la santé sur les AVC. Donc, nous avons été confiés en tant que France AVC Picardie. France AVC Picardie, c'est une association qui est une antenne qui fait partie de la Grande Fédération Nationale France AVC. Et nous sommes là pour informer, pour apporter une aide et un soutien aux patients et à leurs familles. Nous sommes là aussi pour aider à la formation et aider aussi à la recherche. Pourquoi parler de l'AVC en 2020? On va vous le redire, l'AVC, c'est la première cause de handicap, c'est la deuxième cause de démence, c'est la deuxième cause de mortalité et c'est même la première cause de mortalité chez la femme. Et puis l'AVC, si le pronostic vital est engagé, le pronostic fonctionnel aussi, et 40% des AVC laissent des séquelles importantes. Pourquoi parler de l'AVC? Parce qu'il y a des solutions pour minimiser les séquelles. Appelez le 15, on va vous le redire. Également savoir qu'il y a des facteurs de risque qu'on peut combattre, et c'est important de prendre en soin sa santé. Et puis, depuis 15 ans, puisque les mardis de la santé existent depuis 15 ans, la question était, qu'est-ce qui a évolué depuis 15 ans? Qu'est-ce qu'il y a de neuf aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer de vous expliquer. Depuis la prise en charge en aigu, le docteur Lamy va vous expliquer ce qu'elle fait au quotidien. Et puis ensuite, toute la rééducation post-AVC, comme va vous l'expliquer après le docteur Lamy, le docteur Valérie Leclerc. Voilà, donc je laisse la parole à mes amis. Eh bien, bonjour. Ravie. Bonjour, ravi d'être avec vous pour vous parler donc des AVC, mon quotidien de tous les jours. Alors, rappelons rapidement
L'accident vasculaire cérébral résulte dans 15% des cas d'une artère qui se rompt, c'est donc une hémorragie cérébrale. Et dans 85% des cas, c'est une occlusion d'une artère et qui va donc entraîner un infarctus cérébral ou un AVC ischémique, c'est synonyme. Alors, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un petit peu de l'épidémiologie et vous montrer que c'est une pathologie extrêmement fréquente. Et donc, on dénombre un AVC dans le monde dans toutes les 5 secondes. Il y a environ 12 millions de personnes qui font un AVC dans le monde par an. En Europe, c'est 1 400 000. Et en France, on dit qu'il y a un AVC toutes les 4 minutes, ce qui fait environ 150 000 nouveaux AVC par an. 800 000 Français ont donc eu un AVC et 500 000 gardent un handicap. Les AVC ne touchent pas que les personnes âgées, pardon. Et donc, il y a environ 15% qui ont moins de 50 ans, pardon, et 25% moins de 65 ans. Il y a donc environ une personne sur 6 qui aura un AVC. Il y a 66 000 décès par an. Donc, vous rendez compte de l'importance de cette pathologie. Si on fait un focus sur sur la Picardie, on voit qu'en Picardie, eh bien, on a un taux d'infarctus, un taux d'hospitalisation qui est quand même un petit peu supérieur à la moyenne nationale. Hein, ce qui traduit quand même que il y a quand même beaucoup de facteurs de risque vasculaire en Picardie et on le paye un petit peu par ses complications, les AVC. Donc, si je reste un petit peu sur la Picardie, eh bien, sur 1,9 million d'habitants, on estime environ à 4 800 AVC, 1 000 accidents ischémiques transitoires, j'en parlerai par la suite. Ça fait environ 1 400 décès par an, 1 200 patients qui vont être dépendants. 2 200, heureusement, resteront sans séquelles. Et donc, ça fait environ 24 000 personnes qui ont un accident vasculaire en Picardie. Alors, on le répète, les conséquences sont graves. Et donc, je redis, première cause de handicap acquis, première cause de mortalité chez la femme et deuxième cause de démence. Voici un petit peu mon fil directeur sur cette diapo. On devait traiter le quad neuf dans les AVC en 15 ans. Eh bien, cette slide vous résume un petit peu les choses. Tant d'un point de vue thérapeutique, il y a une innovation thérapeutique qui est la thrombolyse en 2003. On verra pour la thrombectomie en 2015. Il y a également une très belle structuration de la filière AVC par différentes actions que l'on verra par la suite. Et puis des réunions d'information, de la sensibilisation des signes d'alerte à la population. Et voilà, le mardi de la santé fait partie un petit peu de cette information. Donc parlons de la thrombolyse tout simplement. La thrombolyse, c'est un traitement qui permet de détruire le caillot, de dissoudre le caillot, un médicament que l'on administre par voie intraveineuse et que l'on fait que l'on administre dans un service des urgences. Donc ce traitement, enfin les choses sont relativement simples à savoir. Voilà, on a besoin de savoir l'accident vasculaire cérébral, est-ce que c'est un infarctus, est-ce que c'est une hémorragie? Si c'est un infarctus, on est dans les conditions de la possibilité d'une thrombolyse. Pour ça, il faut que le patient arrive dans un délai, autrefois en 2003, à de moins de 3 heures, et on verra par la suite que le délai a augmenté à 4h30, mais au départ, c'était moins de 3 heures. Donc, vous voyez, il fallait une grande réactivité de la population. Et donc, pour mettre en place
cette urgence du traitement, eh bien, on a mis en place toute une filière. D'abord, on a mis en place des unités neurovasculaires. Et donc là, je me permets d'un petit peu corriger. Cette UNV a été créée dès 2002, fin 2002, début 2003. Et vous voyez, en Picardie, eh bien, il y a une labellisation de plusieurs unités neurovasculaires. Ce sont donc des services qui sont qui ont les moyens humains et thérapeutiques pour prendre en charge ces patients. Donc, une unité neurovasculaire, eh bien, voilà, il y a une partie de soins intensifs avec des patients qui vont être surveillés, tant au niveau du rythme cardiaque que de la tension, du taux d'oxygène dans le sang. Et puis également, on fera très attention, et je laisserai le docteur Leclerc d'expliquer combien la prise en charge du patient qui présente un handicap est très important, et notamment dans le positionnement du patient dans son lit, dans son fauteuil. Mais, et donc, ces unités neurovasculaires ont prouvé un bénéfice, puisqu'en fait, elles permettent de réduire de 30 à 45% la morbimortalité, permet de réduire la durée d'hospitalisation, puisque grâce à cette expertise, on va diminuer le nombre de complications en rapport avec les AVC. Et donc, voilà, toutes ces unités sont présentes pour accueillir le maximum de patients qui présentent un accident vasculaire, qu'ils soient thrombolisés ou pas. Mais je vous montre un petit graphique rapidement pour vous montrer que finalement, il y avait un souci puisqu'on avait le traitement, on avait ces services qui étaient créés pour accueillir ces patients. Et en fait, en nombre de thrombolyses, eh bien, on n'arrivait pas à thromboliser le nombre souhaité des patients. Et on a pu... on a déterminé, trouvé, cherché les raisons. Et une des raisons, c'était qu'en fait, les patients venaient trop tard, venaient au-delà des 3 heures des symptômes, d'où, vous voyez, toutes les actions de sensibilisation pardon, il y a un problème ? Oui, il y a un petit problème technique. Attends. Excusez-nous, petit intermède. Donc, toutes ces journées ont été créées pour former la population aux signes d'alerte. Et donc, je vais vous montrer assez rapidement, mais des affiches ont été créées. Vous pourrez regarder ça sur Internet, par exemple. Et donc, pour vraiment former et vous montrer vous rappeler, excusez-moi, les symptômes qui doivent faire évoquer un accident vasculaire cérébral. Voilà, donc vous voyez la journée mondiale de l'AVC, c'est le 29 octobre, et nous l'avons tenue la semaine dernière, rue des Trois Cailloux par exemple, mais dans toute la France, il y a eu des actions, peut-être un petit peu occultées par pandémie au Covid. Voilà les affiches dont je voulais vous parler. Donc, tout ça pour imaginer le fait que quelqu'un qui présente une paralysie d'un bras, d'une jambe, une paralysie de la face, ou bien un trouble du langage, une difficulté à s'exprimer, eh bien, ce sont des signes qui doivent vous faire évoquer un AVC et donc faire le 15. Donc, voilà encore une autre affiche. Et puis, il faut également avoir en tête qu'il existe bien d'autres symptômes
traduisent un accident vasculaire cérébral, parmi lesquels une céphalée, un mal de tête d'apparition brutale extrêmement intense, ou bien un trouble de l'équilibre, ou bien encore un trouble visuel, ne plus voir d'un œil ou voir double, doivent faire évoquer un accident vasculaire cérébral. Et cette diapo, pour vous montrer un petit peu le pourquoi de ces symptômes à cause de l'accident vasculaire, eh bien, vous allez comprendre que donc notre cerveau est composé de deux hémisphères, un hémisphère droit, un hémisphère gauche, et dans chaque hémisphère va contrôler l'hémicorps contralatéral. Donc, l'hémisphère droit va commander votre bras et votre jambe gauche, et inversement. Et donc, chaque région du cerveau est spécialisée, on va dire, dans certaines fonctions. Par exemple, ici, la motricité. Ici, dans le lobe pariétal, plutôt la sensibilité. Ou le langage. Ou bien encore la vision dans le lobe occipital, c'est-à-dire en arrière du cerveau. Ou bien des troubles de l'équilibre, vous voyez, c'est commandé par le cervelet. Donc, le cerveau, c'est 100 milliards de neurones. On sait qu'environ, il y a 2 millions de neurones qui sont perdus par minute dans l'accident vasculaire cérébral, quand il y a un arrêt de la circulation ou une hémorragie. Et environ, on sait qu'un accident vasculaire cérébral va entraîner un nombre majeur de neurones. Donc, vous comprenez bien que plus vous arrivez tôt, plus vous appelez tôt et plus vous arrivez tôt aux urgences, plus on va pouvoir vous prendre en charge rapidement, on va peut-être pouvoir vous éviter ou réduire le handicap à cause de l'accident vasculaire cérébral. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand vous avez ces symptômes? Eh bien, il faut surtout noter l'heure, puisque vous avez compris qu'on a un délai, autrefois de 3 heures, maintenant de 4h30. Donc, il faut absolument connaître l'heure du début des symptômes et noter, et puis bien être au courant des traitements que prend la personne touchée par l'accident vasculaire. Il ne faut bien sûr pas manger, ni boire, ni prendre quoi que ce soit comme traitement avant de venir aux urgences. Et c'est ainsi qu'on a pu voir quand même une augmentation de notre nombre de thrombolyses par la formation donc de la population. Et puis également par encore une amélioration de l'accueil du patient aux urgences, par également la création d'unités de télémédecine qui va nous permettre de thromboliser à distance. Donc là aussi, si on prend l'exemple de la Picardie, il y a maintenant plusieurs centres hospitaliers qui ont la télémédecine et qui donc permettent de pouvoir thromboliser dans leur service des urgences. Et puis ensuite, les patients thrombolisés vont venir dans ces unités neurovasculaires au plus proche de chez eux. Donc, voici l'organisation qui s'est au fur et à mesure enrichie avec des conventions, pour essayer de travailler au mieux et au plus rapide entre les hôpitaux. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le patient arrive, vous l'avez compris, le plus tôt possible et le plus rapidement possible? Eh bien, ça va être un travail d'équipe. Le patient va arriver donc dans le service des urgences, d'accueil des urgences vitales. Le radiologue va être prévenu, va rendre disponible son IRM pour que le patient puisse réaliser un examen le plus rapidement possible et donc permettre de savoir si, devant ces symptômes, eh bien, on est en face d'un infarctus cérébral ou d'une hémorragie. Ici, vous avez un exemple d'un infarctus cérébral, ici en IRM d'une hémorragie cérébrale, ou au scanner pour l'hémorragie cérébrale qui se traduit par une hyperdensité. Alors, si le patient répond à l'ensemble de tous ces critères, eh bien, il pourrait être thrombolisé et environ... Il y a environ
10% de patients qui sont des infarctus qui sont thrombolisés. Et la thrombolyse donc a apporté un progrès important puisque en fait elle permet de réduire de 10% la mortalité ou le handicap. Alors quels sont les progrès depuis 2003? Bien, il y a un élargissement des indications. D'abord en termes de délai, puisqu'on peut thromboliser jusqu'à 4h30, mais attention, on ne doit pas se dire qu'on a 4h30 pour thromboliser, hein, mais on a jusque 4h30, donc il faut toujours essayer d'aller le plus rapidement possible. Il n'y a pas de limite d'âge, c'est vraiment l'âge physiologique qui est important. Également pour les AVC d'horaire indéterminé, eh bien c'est grâce à l'IRM, dans certaines conditions, eh bien des séquences peuvent nous aider à horodater, j'allais dire, l'infarctus cérébral. Et puis également, on a fait des progrès pour des patients qui sont sous un traitement anticoagulant, malheureusement qui n'a été mis en échec, en tout cas inefficace. Eh bien, dans certaines conditions, on va pouvoir également faire bénéficier le patient d'une thrombolyse sous, je le répète, certaines conditions qui sont majeures à évidemment respecter. Alors, avec tous ces progrès, eh bien, on a pu voir une nette augmentation du nombre de thrombolyses en Picardie, vous voyez, puisque de 2016, on était à 269, on est passé à 379 en 2019. L'idéal serait d'atteindre 475 thrombolyses en Picardie pour avoir un taux de recours de thrombolyse par million d'habitants d'environ 250. Une étude très intéressante au niveau européen qui a permis de recueillir un nombre de données assez considérable et permettre un petit peu de voir ce qui se passait dans la prise en charge des AVC en Europe. Et on peut voir que nous, pour les thrombolyses, vous voyez, en France, on n'est pas les premiers pays européens en termes de taux de thrombolyse des infarctus cérébraux. Donc, on a quand même des progrès à faire. On sait qu'on devrait finalement atteindre un taux de 18% pour les pays qui fonctionnent le mieux. Et donc, on devrait atteindre 720 thrombolyses par an en Picardie. Alors, si je continue mon fil directeur chronologique, deuxième innovation, c'est la thrombectomie. La thrombectomie, c'est le retrait donc d'un caillot grâce au neuroradiologue interventionnel. Technique que l'on peut, donc il y a plusieurs techniques. On emprisonne le caillot au sein d'un stent et le radiologue, grâce à un guide, va pouvoir retirer ce fameux caillot. On va même d'autres techniques, c'est aspirer le caillot. On met donc un guide au contact du thrombus et on l'aspire. Et puis il y a une technique qui allie les deux. On peut faire cette technique jusqu'à 6 heures après le début des symptômes. On verra qu'il y a encore du progrès, je vous lirai par la suite. Et bien sûr, il y a des critères cliniques et radiologiques qui sont importants à suivre. Et évidemment, c'est les patients qui bénéficient d'une thrombectomie, c'est bien des patients pour lesquels on visualise un caillot et qui soit bien sûr accessible. Ce traitement très efficace puisqu'en fait il y a une réduction du handicap et de la mortalité de 20%. Alors en image, eh bien vous voyez une coupe d'IRM, séquence vasculaire en coupe axiale, et vous voyez que ici on voit bien la carotide gauche et puis l'artère cérébrale moyenne gauche, et là on ne voit pas le vaisseau parce que le vaisseau est bouché, et il est bouché, vous voyez, au niveau de la carotide interne.
si la patiente a bénéficié donc d'une thrombectomie et vous voyez, on a fait une IRM de contrôle une semaine après, eh bien, vous voyez, à nouveau, on voit la carotide gauche et l'artère cérébrale moyenne gauche. Alors, évidemment, vous voyez, on a pu à nouveau irriguer, j'allais dire, l'ensemble de l'hémisphère gauche, mais ceci n'a pas empêché la séquelle de l'infarctus cérébral initial. Donc, en 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé pour la thrombectomie? Eh bien, il y a eu un élargissement des indications également, avec un délai qui peut aller jusqu'à 24 heures, moyennant, là encore, des critères très précis. Et je répète, on n'a pas 24 heures, mais voilà, pour les patients qui arrivent un petit peu tardivement, sous certaines conditions, eh bien, la thrombectomie peut être encore bénéfique. Vous allez très vite comprendre l'objet de la question, j'allais dire. C'est, on peut déboucher, j'allais dire, une artère que si, bien sûr, on en attend un bénéfice. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le tissu cérébral qui soit encore viable et qui, grâce à nouveau à la reperméabilisation de l'artère, va pouvoir à nouveau être fonctionnel. Et c'est donc dans ces conditions-là que la thrombectomie sera bénéfique. Donc, il faut qu'en imagerie, on ait un petit infarctus et puis une zone hypoperfusée beaucoup plus importante, et grâce à la reperméabilisation de l'artère, eh bien, cette région hypoperfusée sera à nouveau irriguée et donc à nouveau fonctionnelle. Alors, en thrombectomie, on a donc également vu notre nombre de thrombectomies augmenter, voire même être supérieur au nombre de thrombolyses. Mais attention, les thrombectomies se font uniquement au CHU d'Amiens, donc c'est le nombre de thrombectomies pour la Picardie. Alors, par rapport au niveau européen, eh bien, la France se situe à peu près bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut se reposer sur les lauriers, mais on n'est pas en retard. On sait que quand même pour nous en Picardie, si on voulait atteindre un taux de 5% des infarctus thrombectomisés, il faudrait qu'on soit à 200 thrombectomies. L'idéal est dans les années à venir, on aimerait atteindre 10% des infarctus cérébraux. Et donc là, vous voyez, notre nombre de thrombectomies serait encore bien supérieur à atteindre. Alors, un petit mot voilà pour ces innovations thérapeutiques en une quinzaine d'années. Un tout petit mot pour dire que les choses changent également pour la prise en charge de l'accident ischémique transitoire ou dans le cas d'un infarctus de toute petite taille. Eh bien, maintenant, si on ne peut pas thromboliser ces patients, eh bien, on peut également mettre un traitement un peu particulier à une double anti-agrégation antithrombotique, et là aussi en urgence. Donc, je profite pour rappeler ce que c'est un accident ischémique transitoire. Ce sont donc des symptômes déficitaires qui sont transitoires, donc qui vont durer quelques minutes jusqu'à une heure. Et donc, c'est aussi grave qu'un accident vasculaire cérébral, et donc il faut évidemment faire le 15 pour éviter la récidive et éviter que les symptômes, cette fois, deviennent permanents. Alors, innovation sur ces 15 ans, c'est dans la situation gravissime de patients qui ont un infarctus extrêmement étendu avec un œdème très important. Comme l'a dit Madame Agdassi, le cerveau est bien protégé par la voûte crânienne, mais
Le problème, c'est que s'il y a un œdème important, eh bien, le cerveau va être comprimé. Et dans ces conditions, généralement, le décès survient rapidement. Et donc, une façon de, d'éviter ces évolutions catastrophiques, c'est de faire une hémicraniectomie, c'est-à-dire que l'on va enlever une partie, vous voyez, des os formant la voûte crânienne pour laisser l'œdème cérébral sans qu'il comprime le cerveau. Et puis, au bout de quelques semaines, eh bien, on remettra une prothèse osseuse par la suite. Voilà, vous doutez que les séquelles dans ces conditions sont très souvent encore importantes. Mais cette technique a montré un bénéfice dans la réduction du handicap et évidemment dans la réduction du taux de mortalité. Alors, finalement, en 15 ans, grâce à ces innovations thérapeutiques, à la structuration de cette filière, où vous avez compris que de nombreux spécialistes sont à l'œuvre, eh bien, on a donc réussi à ce que, grâce à la formation de la population, il y a un recours aux 15 plus fréquents, il y a une baisse du taux de mortalité de 40%. Il y a finalement 32% des patients qui sont pris en charge dans les délais. Donc, vous voyez, c'est mieux qu'il y a 15 ans, mais c'est, j'allais dire, que 32%. Donc, voilà, encore des progrès à faire. Et puis, je laisserai le docteur Leclerc en parler. Il y a 60% des patients qui bénéficient d'un suivi post-AVC avec des consultations structurées pour la prise en charge des suites de l'AVC grâce à cette structuration de la filière. Donc, il faut encore poursuivre les efforts, mais on est quand même dans quelque chose de positif. Alors, dans le futur, je vous ai mis un petit peu comme ça, l'intelligence artificielle va certainement nous aider, notamment dans l'imagerie. On peut espérer une réduction des temps de séquence de l'IRM. Il y a des protocoles, il y a des miniaturisations des appareils radiologiques et il y a des prototypes de scanners embarqués dans le véhicule et on rêverait de pouvoir thromboliser le patient à son domicile grâce à la possibilité de réaliser l'imagerie. Bon, ça, c'est pas du tout encore dans la routine, vous le savez bien. Pour les thrombectomies, on peut aussi attendre des améliorations au niveau de la technique. Également au niveau de la thrombolyse, on attend et il y a un autre agent thrombolytique que l'on va certainement utiliser assez prochainement. Et puis, on peut encore rêver d'autres molécules, notamment des agents protecteurs. J'ai encore un petit peu de temps ou pas? Une minute? Alors, on me dit que je peux poursuivre. Un petit mot sur la prévention. Vous avez vu que je n'ai pas parlé des causes des accidents vasculaires cérébraux, ce n'était pas le propos, mais à travers la prévention, on pourra aborder quelques causes. Pour la prévention, donc vous savez, il y a la prévention primaire, c'est la prévention avant que l'accident vasculaire cérébral survienne pour cette pathologie. Et la prévention secondaire, c'est malheureusement après l'accident vasculaire cérébral. Donc, pour prévenir, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, en prévention primaire, ce que l'on peut simplement vous dire, c'est vraiment de prendre soin de vos artères et de votre cœur. Pourquoi ? Parce que les facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral, eh bien, vous le savez, c'est le tabac, c'est le cholestérol, le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle. Et puis, c'est aussi certaines pathologies cardiaques,
L'arythmie par fibrillation auriculaire est une grande cause d'infarctus cérébral. Et donc, on vous recommande donc de contrôler votre hypertension artérielle, de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de faire du sport, de réduire un maximum votre consommation d'alcool et surtout d'être observant au niveau de votre traitement. Alors, ce sera ma dernière diapositive. Vous voyez, il y a des progrès dans la prévention. Alors, je vais à nouveau insister sur, pour moi, la base, qui est donc la correction des facteurs de risque vasculaire, le traitement pour la prévention secondaire, c'est pour éviter de récidiver. Donc, il faudra prendre un traitement pour fluidifier le sang. Soit c'est un traitement anti-agrégant le plus souvent, soit c'est un traitement anticoagulant. Et il y a eu des progrès dans les traitements anticoagulants avec la venue d'une nouvelle classe thérapeutique qu'on appelle les anticoagulants oraux directs, qui ont beaucoup d'avantages, parmi lesquels une nette réduction des hémorragies par rapport à la classe bien connue des antivitamines K. En prévention secondaire, on peut également opérer et réaliser une endartériectomie quand la carotide est beaucoup trop rétrécie à cause de ces fameuses plaques d'athérome en rapport avec ces facteurs de risque vasculaire. Eh bien, on peut opérer et donc que la carotide retrouve sa lumière initiale. Et puis, il y a au niveau des progrès, d'autres techniques suivant certaines causes. Par exemple, quand un patient a un foramen ovale perméable, c'est-à-dire une petite cavité entre les deux oreillettes, eh bien maintenant, on peut fermer cette anomalie pour éviter les récidives. Et il y a bien des critères tout à fait précis on discute de tous ces dossiers avec les cardiologues. Donc vous voyez bien ce côté multidisciplinaire des AVC. Deuxième progrès, c'est également pour les patients qui ont une arythmie par fibrillation auriculaire mais qui ont des contre-indications au traitement anticoagulant, on peut leur proposer la fermeture de l'auricule. C'est une petite partie de l'oreillette dans laquelle en fait, se forment le plus souvent les caillots à former secondaire à l'arythmie par fibrillation auriculaire. En fermant cette auricule, on empêche donc la formation le plus souvent de thrombus. Voilà. Bien sûr, cette technique répond à certains critères et donc tout le monde ne bénéficie pas de ce type de technique. Et là encore, on a des réunions de RCP, de discussion de ces dossiers pour bien décider de la meilleure prise en charge pour ces patients. Voilà, merci de votre attention. Voilà, donc après l'AVC constitué, le passage dans le service de neurologie, il va falloir réapprendre à marcher, réapprendre à parler et réapprendre à se servir de son membre supérieur. Et donc c'est le docteur Valérie Leclerc qui va vous expliquer ce qu'elle fait dans son service. Donc, bonsoir à tous.
Donc, en effet, là, on va parler plutôt toujours de l'AVC, mais dans sa partie plutôt subaiguë ou dans les mois et semaines à venir, et puis pour l'après, hein, forcément, après les centres de rééducation, par le biais de la rééducation donc post-AVC. Avec la même, questionnement, c'est sur ces 15 dernières années, qu'est-ce qu'on a pu proposer de nouveau dans la prise en charge rééducative ? Donc le plan va se dérouler un petit peu sous cette forme-là. Donc déjà, qu'est-ce que c'est un soin de suite et de réadaptation, hein, les centres de rééducation, comme on dit. On va voir qu'il y a plusieurs types de centres, de SSR, et on va voir un petit peu quels sont les patients, les critères d'admission qu'on peut prendre pour être pris en charge dans ces SSR neurologiques. L'objectif n'était pas de faire une liste des différentes difficultés, des différentes déficiences, c'est-à-dire ce que le patient a pu perdre à cause de l'AVC. Ce n'était pas l'objectif de l'intervention. L'objectif étant donc de voir un petit peu les nouvelles prises en charge. Et donc, j'ai essayé de mettre un peu en exemple qu'est-ce qu'on peut apporter maintenant en 2020 comme type de prise en charge rééducative. Ça peut être des modes de rééducation, mais ça peut être aussi des thérapeutes hein, qui sont un petit peu novateurs dans nos équipes et sur nos plateaux techniques. Et puis, pour finir, on verra après les centres de rééducation, ça se poursuit. Malheureusement, on parlait tout à l'heure de séquelles. Hein. Une séquelle, c'est quelque chose qui va persister. L'objectif, c'est quand même d'améliorer la qualité de vie de nos patients malgré ces difficultés. Tout à l'heure, notre collègue nous disait « il y a une vie avant, il y a une vie après ». C'est réel, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire après pour accompagner nos patients en dehors de nos murs ? Et c'est un petit peu tout ce qu'on va voir par les réseaux, les associations. Donc très rapidement, au niveau des déficiences, un AVC, on a vu que ça touchait le cerveau. C'est vrai que le cerveau est un organe très complexe et qui a pour but d'organiser hein, des programmes moteurs, des programmes différents sur différentes thématiques. Ça peut être sur la motricité, hein, c'est ce qu'on va appeler quand on perd l'usage d'un bras ou l'usage d'une jambe, d'une hémiplégie hein, ou d'une hémiparésie. Hein, ce sont des termes un petit peu dans l'intensité du déficit moteur. L'hémiplégie, l'hémicorps ne bouge plus du tout, l'hémiparésie, il bouge encore un petit peu. On va avoir aussi des difficultés de sensibilité avec les troubles de sensibilité. Ça peut toucher à la fois le toucher, le tact, la chaleur, la douleur, la perception que l'on a de notre corps dans l'espace. Tout ça, c'est différents types, un petit peu de zones au niveau du cerveau. Moi, je l'exprime un petit peu pour les patients comme des autoroutes. C'est différents réseaux hein, qui ont été touchés. Et en fonction de l'autoroute touchée, on va avoir des déficiences différentes. Ça peut toucher aussi des zones du langage avec le langage oral, le langage écrit. Ça peut avoir uniquement sur un versant de compréhension ou d'expression. On peut avoir des troubles de déglutition, des troubles vésico-sphinctériens avec la sphère urinaire, le transit sel et sexuel. Des troubles cognitifs, donc là c'est quelque chose de très vaste, hein. Ça peut toucher à la fois la mémoire, la compréhension, la planification, la capacité à vivre ensemble, beaucoup de l'héminégligence, c'est-à-dire la capacité à apprendre l'ensemble de l'espace qui nous entoure dans la prise en charge des informations. Des troubles de l'humeur et les troubles visuels et sensoriels. Après les déficiences, le patient ou la patiente va avoir des conséquences que nous, on va appeler incapacités. Des incapacités de se mouvoir dans la locomotion, de se transférer, des incapacités de préhension et des incapacités d'expression. Et notre troisième niveau dans la rééducation, c'est le handicap. C'est-à-dire, j'ai eu une déficience qui a une conséquence qui donne une incapacité. Mais dans la vie de société, hein, dans un milieu vivant, on va dire, ça va donner un handicap qui peut être professionnel, locomoteur avec la conduite automobile, par exemple, ou les loisirs. Et donc, le rôle du médecin de rééducation et de l'équipe de rééducation, c'est de pouvoir intervenir sur ces trois niveaux, déficience, incapacité, handicap. L'objectif, forcément, l'idéal, c'est de le réduire. Mais c'est aussi d'accompagner si malheureusement on a une séquelle. Donc je reviens tout d'abord sur cette notion de SSR neurologique. Donc ça s'appuie hein, sur des circulaires ou des plans AVC en fonction des différents gouvernements. L'objectif c'était la fluidité. On l'a vu depuis tout à l'heure, hein, l'alerte, c'est
une urgence, arriver aux urgences dans les unités neurovasculaires, d'avoir la thrombolyse, la thrombectomie, tous ces traitements, c'est une urgence parce que le temps est compté. Et nous, la rééducation, on va aussi arriver dans cette thématique-là. Alors, on n'a pas l'urgence avec des heures, hein, forcément, mais c'est en effet d'être fluide, c'est-à-dire de limiter la perte de temps, de garantir une prise en charge rapide au sein même des unités neurovasculaires par un bon positionnement, par des conseils d'installation, d'alimentation, pour essayer de minimiser au maximum les conséquences que l'AVC a pu engendrer. Donc on est à la place, à la phase initiale, on est aussi à la phase de stabilisation, et donc c'est vrai que maintenant les patients, on essaye de les prendre le plus rapidement possible dans nos structures. Les patients qui ont fait un AVC ont différents types d'orientation. Ils peuvent rentrer à la maison, hein, et heureusement, il y a quand même un pourcentage non négligeable de patients qui ne passent pas et qui n'ont pas besoin de centre de rééducation. Alors, sans prise en charge spécifique, avec un suivi par consultation, mais ou plus ou moins une kinésithérapie libérale, voire une orthophonie. D'autres patients auront besoin d'un SSR spécialisé neurologique. D'autres pourront bénéficier d'un SSR non spécialisé, qu'on peut appeler aussi polyvalent, ou d'un SSR spécialisé dépendance du sujet âgé. Donc, j'ai mis un petit peu les pourcentages qu'on pouvait retrouver. Donc, les indications d'un SSR neurologique, c'est d'avoir besoin d'au moins deux prises en charge spécifiques, techniques, quotidiennes. Et dans ces prises en charge-là, on doit retrouver de la kinésithérapie, de l'ergothérapie, de l'orthophonie, la prise en charge neuropsychologue, donc là, plus orientée sur les troubles cognitifs, voire de l'appareillage. Ces prises en charge spécifiques, techniques, elles doivent être faites en individuel et en groupe, et il faut qu'il y ait au moins 2 heures minimum de rééducation par jour. Et le patient a besoin d'une coordination de soins, c'est-à-dire qu'il a besoin d'un suivi coordonné médical, tant pour la gestion de ses besoins, de préparer le retour à la maison, mais également aussi de poursuivre la prévention secondaire qu'on évoquait tout à l'heure. Et puis notre société savante, qu'on appelle la SOFMER, hein, dans la société savante des médecins de rééducation, ils ont essayé d'affiner un petit peu les besoins et les patients qui pourraient bénéficier des SSR neurologiques. L'objectif est bien entendu d'acquérir une autonomie en fonction des déficiences, hein, c'est pas forcément une intensité, hein, c'est vraiment la perte de quelque chose auquel on aurait besoin de conseils ou de prise en charge rééducative. Et l'objectif, c'est quand même, prime abord, de les faire diminuer, donc de faire une régression des déficiences. Le consensus des experts évoque que c'est les patients qui auraient un intérêt, et en tout cas une valeur ajoutée à passer dans les SSR neurologiques, sont les patients donc, au niveau du trouble moteur, c'est l'hémiplégie de gravité intermédiaire, hein, c'est avec un score qui est surtout utilisé en thrombolyse, hein, le score NIH, entre 5 et 15, donc c'est quelque chose, on va dire, d'intermédiaire. Et le patient débute déjà en neurovasculaire d'une récupération, c'est-à-dire que dans les 7 premiers jours où il est encore en neurologie, on voit déjà une récupération. Donc ces patients-là ont tout à fait un intérêt à poursuivre et être accompagnés dans cette récupération dans les SSR neurologiques. Dans la gravité plus importante, c'est-à-dire l'hémiplégie grave, on parlait tout à l'heure des sujets jeunes, donc ils ont cette indication-là, et aussi tous les patients avec les craniectomies, où en effet, ce patient jeune avec certes un déficit, une déficience très importante, requiert tout à fait de ces structures. Bon, les experts de la SOFMER sont plus sur 3 heures de prise en charge rééducative quotidienne, mais on reste bien sur l'importance du programme de rééducation coordonné avec un médecin de rééducation. Donc là, je vais prendre quelques exemples de déficiences et voir un petit peu, depuis ces 15 ans, qu'est-ce qu'on a pu faire et qu'est-ce qu'on a mis en place. Alors, pas forcément dans le centre hospitalier, enfin, le centre de rééducation de Corbie, hein, mais c'est vraiment dans la prise en charge globale de l'AVC, notamment par des techniques un petit peu plus spécifiques et novatrices. Donc, par exemple, dans le trouble moteur, donc de l'hémiplégie et l'hémiparésie, hein, donc je reviens, si on a un AVC gauche, on va avoir un trouble moteur à droite, et puis inversement, si on a un AVC droit, on va avoir un trouble moteur à gauche. Et donc, ce déficit moteur peut possiblement récupérer, et on va quand même avoir 65% des patients qui vont avoir des signes de récupération. Donc, forcément, là, ça veut tout et rien dire, hein. On peut avoir une récupération minime, mais qu'elle ne sera pas fonctionnelle, hein. Ou une récupération, forcément, nous, c'est la fonction qui est le plus important.
quand même 50 à 75% des patients qui ont un déficit du membre supérieur versera quand même séquelaire dans les 3 à 6 mois. Hein, et on voit les délais, hein, on n'est pas forcément, comme j'ai dit tout à l'heure, sur des heures, mais 3 à 6 mois, alors ça peut paraître long et rapide, mais on est quand même dans des choses assez courtes et on parle assez vite quand même de séquelles. Le trouble moteur, on va, nous, dans notre prise en charge, on va le regarder, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en face comme fonction. Il peut être flasque ou spastique. On verra tout à l'heure la notion de spasticité. Hein, mais le côté, est-ce qu'on a un bras qui est mou, hein, qui est ballant, comme diraient certains patients. Dans ce cas-là, on sera plutôt sur une hémiplégie flasque. Ou est-ce qu'on a des muscles qui se contractent douloureux et là, dans ce cas-là, on sera plus spastique. Pour pouvoir nous comprendre, entre thérapeutes, on utilise une cotation fonctionnelle, c'est important. Hein, on cote un muscle de 0 à 4 ou 0 à 5 selon les cotations. Et ce qui nous permet de voir un petit peu aussi la régression du déficit. Et puis, en fonction un peu du chiffre, de mettre des objectifs et pouvoir répondre aux patients. Est-ce que je vais pouvoir remarcher? Est-ce que je vais pouvoir reprendre une activité? Est-ce que je vais pouvoir conduire? Et c'est vrai qu'en fonction du muscle et de sa capacité à se mouvoir, ce sera un petit peu plus facile pour nous d'évoquer un peu un pronostic de qualité de vie après. Et cette récupération, on a remarqué hein, par les études et puis en étudiant les patients, qu'elle se fait quand même sous un type de gradient, un proximal distal. En théorie, on va dire qu'on récupère plus une épaule qu'une main ou une hanche qu'un pied. Et on a plus de, le cerveau a quand même plus de facilité dans la récupération du membre inférieur que dans le membre supérieur. Donc en pratique, un petit peu en quotidien, comment on va accompagner ce patient qui a un trouble moteur? L'objectif tout d'abord, c'est de prévenir les complications. On ne sait pas, hein, bon, le patient récupère un petit peu, mais on ne sait pas jusqu'où il va récupérer, ou alors il n'a pas encore récupéré et on ne sait pas s'il y aura une récupération. L'objectif, c'est si jamais il récupérait, il ne faut pas que son membre se déforme, qu'il ait des rétractions musculaires. Donc on va être vraiment dans de la prévention des complications musculo-articulaires. Ça peut se faire par des postures. Là, c'est le kinésithérapeute, par exemple, qui va posturer un membre. Il va l'étirer également. On peut le posturer par un appareillage. En dehors de la prise en charge kinésithérapique, on peut utiliser des orthèses qui vont posturer un membre. Et puis, on peut utiliser aussi la toxine botulique, qu'on verra plus tard, qui est un médicament qui permet d'assouplir le muscle, pour résumer. D'autres techniques assez récentes, on va dire, c'est la stimulation électrique fonctionnelle. On peut utiliser un stabilisateur d'épaule. Hein, on met des électrodes sur la peau, on met un petit stimulateur qui va contracter le muscle, qui va permettre de stabiliser l'épaule qui a tendance un petit peu à chuter par le poids du membre. Les releveurs de cheville également, si on a un pied qui est tombant, on peut par ce même système stimuler un muscle et essayer de le faire un petit peu suppléer le déficit présent. L'objectif qu'on a remarqué, c'était d'entraîner, c'est par la répétition des tâches. On va essayer de faire reprogrammer un petit peu au cerveau les possibilités qui lui ont été enlevées par cette plasticité cérébrale. Hein, c'est un terme qu'on utilise très fréquemment, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver des routes de déviation à cette zone qui ne fonctionne plus, soit en ouvrant des zones qui étaient déjà fonctionnelles, fonctionnaient à bas bruit, ou alors créer complètement de nouvelles zones par supplémentation. Ça peut se faire dans le cerveau du même côté que la lésion ou contralatéral. Et nous, notre objectif, c'est de faire répéter pour automatiser des zones qui ne l'étaient pas forcément. Donc, on va le faire par des séances. On disait comme ça, la répétition une prise en charge intensive, entre guillemets, c'est la répétition des tâches. Et puis, récemment, on peut utiliser aussi des robots, hein, des robots de marche ou de membres supérieurs pour essayer de multiplier les actions. Et c'est un petit peu aussi le rôle sur le plateau technique, c'est-à-dire que chaque thérapeute a le même objectif, hein, travailler la force motrice, par exemple, mais par son métier, il va le faire différemment. Le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, le psychomotricien, l'activité physique adaptée, ils vont tous travailler dans le même objectif, mais avec des fonctionnements différents. Et le but, c'est de stimuler cette même zone cérébrale dans cette répétition des tâches.
On utilise également maintenant le biofeedback, hein, c'est-à-dire que le patient peut être aussi un peu en autonomie. Hein, il va avoir un exercice avec maintenant les progrès avec l'informatique. Il peut avoir, par des petits jeux de logiciels, avoir des intensités, des courbes, des couleurs pour essayer de le stimuler dans sa fonction. Mais on est toujours dans le même but, hein, c'est vraiment de stimuler au maximum les zones du cerveau par des biais différents. Dans le renforcement musculaire, après, il y a les techniques donc anciennes, je vais juste les noter, c'est Bobat, Perfetti, donc c'est des modes de stimulation. On va stimuler par le sensoriel, on va stimuler par le niveau d'évolution motrice. On part à l'origine comme l'enfant hein, qui apprend à marcher, il va d'abord être sur son dos, se retourner, se mettre à quatre pattes. Auparavant, on disait on passait pas d'une étape à une autre sans qu'elle soit acquise. Puis maintenant, on n'est plus trop dans cette démarche-là. On est dans des démarches, même si l'équilibre n'est pas forcément parfait, on va quand même essayer de se remettre debout, de marcher, pour vraiment stimuler au maximum toutes les interfaces possibles au niveau du cerveau. Et puis, il y a cette technique un peu plus récente qui s'appelle l'oséocinétisme. Donc, c'est une machine, en fait, sur laquelle le patient est installé. Et l'objectif, c'est de travailler à vitesse constante pour permettre à la force développée par le muscle de rester constante tout au long du mouvement. En fait, si on utilise le mouvement pendulaire, par exemple, à cause de la gravité hein, et de la pesanteur, la force n'est pas tout à fait la même à tous les mouvements. Et bien là, cette machine-là va permettre de travailler à force constante, enfin à vitesse constante, la même force. C'est un travail de renforcement musculaire qui peut être utilisé dans les pathologies neurologiques. C'est assez récent, entre guillemets, puisqu'au départ, toutes ces techniques de renforcement musculaire n'étaient pas utilisées, puisqu'on avait peur de majorer la spasticité et donc d'aggraver, entre guillemets, la déficience que l'on pouvait avoir. Donc l'hémiplégie vasculaire, elle entraîne une diminution de participation aux activités physiques et notamment donc aux activités quotidiennes. Donc l'objectif, nous, c'est bien d'enlever ce cercle vicieux du déconditionnement physique, où on peut dire, par exemple, moins on peut en faire, et aussi par cette fatigabilité hein, que les patients expriment vraiment très fréquemment, une fatigue, j'appelle ça moi, neurologique centrale, c'est-à-dire c'est vraiment une fatigue en chape de plomb, où le patient peut, après avoir fait sa toilette, qui nous paraît simple, avoir un épuisement total. Et ça, il faut qu'on arrive aussi à réduire cette fatigabilité, qui est due aussi à cette difficulté de commande motrice centrale. On a aussi une perte, le muscle ne fonctionne plus, donc on a rapidement une amyotrophie, une perte de la force musculaire, et qui va diminuer la capacité physique aérobie, c'est-à-dire la capacité qu'a le muscle à absorber l'oxygène. Donc toute cette prise en charge, notamment en isocinétisme, va pouvoir aider de façon un peu détournée ce réentraînement à l'effort qui va faciliter le contrôle du muscle et donc avoir un impact sur la récupération de la force motrice. Après les troubles de la motricité, on va prendre l'exemple des troubles de sensibilité où là aussi on a pu voir ces dernières années de nouvelles thérapies de prise en charge. Donc rapidement, la sensibilité elle est de différents types. Deux autoroutes, une superficielle, une profonde qu'on appelle aussi proprioceptive. Dans la sensibilité superficielle, néanmoins pour nous c'est quand même un facteur péjoratif de l'utilisation motrice puisqu'en fait le patient ne se sentant pas à son bras, c'est plus compliqué pour lui de prendre conscience que son bras est en train de récupérer par exemple. C'est aussi donc la sensibilité superficielle, c'est une sensibilité du tact, de la douleur, de la température. On peut avoir aussi cette notion d'extinction sensitive, c'est-à-dire que quand par exemple vous allez toucher le patient à droite, il va vous dire je sens à droite, et vous allez le toucher à gauche, il va vous dire je sens à gauche, et quand vous allez le toucher des deux côtés, il va en sentir qu'un, alors qu'auparavant il sentait quand même bien distinctement. Ça pour nous c'est vrai que dans la prise en charge c'est un facteur de pronostic on va dire plus difficile aussi. La sensibilité profonde, c'est plutôt le contrôle articulaire, c'est je vais avoir une récupération motrice, mais je ne sais pas où est mon bras, je ne sais pas où est ma jambe, donc après pour moi le coordonner c'est compliqué. C'est là qu'on va faire aussi comprendre aux patients qu'il n'y a pas juste la récupération de la force motrice, il y a après tout ce processus cérébral, que je vais dire un petit peu plus complexe, où il va falloir récupérer, mais après il va falloir aussi savoir l'utiliser cette récupération. Et tout ça, c'est le travail des ergothérapeutes, mais surtout des psychomotricités dans notre prise en charge, avec cette nouvelle thérapeutique qu'on appelle ça la thérapie miroir. C'est-à-dire qu'on va
c'est une prise en charge donc, de rééducation. On va utiliser le miroir et on va faire un leurre au cerveau, lui faire croire que le membre qu'il voit est en train de bouger alors que c'est le membre sain. Donc en effet, la thérapie miroir est une thérapie de rééducation dans laquelle un miroir est placé entre le bras ou la jambe, de sorte que l'image d'un membre non affecté, hein, donc le membre sain en mouvement, donne l'illusion au cerveau d'un mouvement normal dans le membre infecté. C'est-à-dire qu'il va voir son bras sain dans le miroir bouger et il va croire que c'est son membre pathologique, hein, donc hémiplégique, qui fonctionne. Et ça, ça nous permet de stimuler encore une autre forme du nerf cérébral. Et l'objectif, hein, c'est de stimuler ces différentes régions du cerveau du mouvement, de la sensation et de la douleur. On peut vraiment agir sur différents points. Donc c'est forcément des séances qui sont assez courtes, qui demandent une présence intense du patient, et on disait tout à l'heure une capacité à avoir une prise en charge de 2 à 3 heures. Ce type de séance-là est très coûteuse en énergie, en concentration. Il faut aussi que le patient puisse comprendre ce qu'il se passe, et donc forcément les patients avec des troubles cognitifs ou des troubles langage, malheureusement c'est beaucoup plus compliqué pour eux. La spasticité, on en a parlé tout à l'heure, donc la spasticité est un trouble du tonus par l'augmentation vitesse dépendante du réflexe, c'est-à-dire que plus on va étirer le muscle, plus il va se contracter, plus il va être tonique. Pareil, on utilise des échelles pour que chaque thérapeute puisse comprendre un petit peu l'évolution, et puis on va le suivre. Néanmoins, la spasticité, c'est ni négatif ni positif, comme des fois on explique. Ça peut être positif, vous allez avoir de la spasticité sur votre quadriceps, qui est le muscle de la cuisse. Eh bien, ce n'est pas si mal que ça, puisque même si vous avez un déficit moteur, c'est-à-dire votre jambe ne vous permet pas de vous tenir debout, grâce à la spasticité de ce muscle-là, eh bien, vous allez réussir à être verticalisé. Par contre, ça peut être négatif. Par exemple, au membre supérieur, avoir une spasticité du fléchisseur de la main, c'est-à-dire que ses doigts qui vont se refermer sur la paume, eh bien, ça n'a pas d'intérêt, puisque en effet, la récupération ne va pas être visible, puisque ce muscle toujours contracté ne sera pas utilisable. Donc c'est à nous là de savoir un petit peu et puis de guider un petit peu le patient dans les prises en charge que l'on peut lui proposer. Donc si on veut enlever cette spasticité-là, il y a une possibilité de prise en charge globale par des traitements médicamenteux, mais surtout de prise en charge très localisée, et comme on évoquait tout à l'heure, la toxine botulique. Donc la toxine botulique, c'est un médicament qu'on injecte. Il y a différents types de laboratoires qui le commercialisent, et c'est une injection intramusculaire. Et on le fait sous stimulodétection ou échographie, c'est de plus en plus fréquent et utilisé depuis quelques temps, afin d'être dans le bon muscle, et on injecte ce médicament dans le muscle que l'on a décidé. Donc c'est un traitement focal, et on a comme prise en charge l'intérêt de mettre des objectifs clairement identifiés. Est-ce que ce seront des objectifs de douleur ou de confort ? Est-ce que ce seront des objectifs de prévention de déformation des déformations neuro-orthopédiques ? Est-ce que ce seront des objectifs de nursing, d'appareillage, de faciliter la tolérance ou la mise en place ? Un objectif fonctionnel, on peut le retrouver également, ou autre. Alors là, on n'est pas trop dans l'AVC, mais d'hypersalivation, d'hypersudation ou dystonie. Depuis plusieurs années maintenant, se développent des consultations médico-chirurgicales. Donc ça, c'est vraiment un travail à la fois avec le côté médical, les chirurgiens. Donc les chirurgiens, souvent, c'est les neurochirurgiens ou les chirurgiens orthopédistes qui vont aider ces patients dans l'accompagnement dans le moyen et long terme. On n'est pas forcément là dans la phase immédiate. Ça peut être des ténotomies, une section d'un tendon pour essayer de redonner de la longueur. Ça peut être des neurotomies, une section partielle d'un nerf, une arthrodèse, comme on voit sur la radio, où on va fixer une cheville parce que malheureusement, ce pied est tombant, instable et à risque de chute, des transferts tendineux musculaires ou des aponevrotomies également pour redonner de la longueur. Dans la partie troubles cognitifs, donc là, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails parce qu'ils sont multiples et variés. On va prendre l'exemple de l'héminégligence ou de l'hémiasomatognosie, où ce patient a oublié, enfin le cerveau a oublié une partie du corps. Et donc, on va utiliser, par exemple, la contrainte induite. C'est-à-dire que, par exemple, pour le membre supérieur, on va, comme on voit sur la photo, bloquer, immobiliser un membre, et on va forcer, entre guillemets, le patient à réutiliser ce corps qui est en train de rebouger et de faire comprendre au cerveau que cette nouvelle fonction, enfin ce nouveau corps hémiplégique refonctionne et qu'il faut qu'il l'utilise dans la vie de tous les jours.
Au départ, la contrainte induite était faite avec des protocoles très stricts, très rigoureux, très plutôt dans des cadres de recherche. Et puis nous, maintenant, on l'utilise beaucoup plus adapté, hein, avec des protocoles sur mesure, avec un accompagnement psychologique, parce que c'est pas toujours évident d'utiliser cette prise en charge-là, où en final, le patient a appris à être autonome avec les déficiences et les incapacités. Et nous, on va le faire un petit peu régresser, entre guillemets, puisqu'on va l'immobiliser. Donc, il y a toujours quand même un accompagnement en équipe à avoir. Et c'est vraiment une prise en charge pluridisciplinaire où on va mettre en place un programme spécifique pour ce patient-là en disant, bah, voilà, vous allez avoir cette contrainte induite, c'est-à-dire qu'on va vous immobiliser le membre supérieur pour telle activité, sur telle durée et dans tel but, pour que le patient comprenne bien pourquoi on entrave un petit peu à son autonomie. Là, c'est des techniques aussi maintenant qu'on reprend à distance, c'est-à-dire qu'on disait tout à l'heure, plus vite on peut rééduquer, mieux c'est, mais c'est aussi dans le cadre du suivi que l'on fait à moyen et long terme, on voit que ce type de prise en charge, la contrainte induite, peut être proposée à distance. Donc au-delà des déficiences que l'on a vues, troubles motricité, troubles du tonus par la spasticité, des troubles de la sensibilité, on passe maintenant à l'étape incapacité et handicap. Et là, on retrouve bien le rôle de tous les thérapeutes. L'intérêt également des permissions thérapeutiques, souvent c'est le patient qui rentre le week-end à sa maison pour se mettre en situation, pour que quand ils reviennent dans notre structure, on puisse adapter au mieux ses besoins en fonction de son domicile, de sa famille, de son lieu de vie. L'intérêt également des visites à domicile par le biais des ergothérapeutes et des assistantes sociales, mais aussi, donc là tout récemment, d'équipes mobiles qui ont été sur les territoires, notamment Hauts-de-France, mis en place pour que l'on puisse, alors pas que pour l'AVC bien entendu, mais c'est pour tout type de handicap, mais être au plus près du patient et l'accompagner à son domicile. Le but aussi des ergothérapeutes, c'est de mettre en place des aides techniques, d'aider le patient dans son autonomie. Et malheureusement, si une séquelle persiste, si on veut maintenir une autonomie, parfois l'aide technique, l'aide humaine est indispensable. Et là aussi, depuis plusieurs années, des recherches sont faites dans les différents aides techniques, les fauteuils, les aides de transfert, les aides techniques du quotidien et des loisirs, pour permettre une diversité la plus importante possible. Et quand on parle du quotidien, on parle aussi d'activité physique adaptée. Et c'est un peu ce thérapeute qui a intégré très progressivement les équipes, qui prennent, je trouve, une place de plus en plus importante, puisqu'on peut aussi les retrouver après dans notre quotidien et en libéral. Et donc l'activité physique adaptée, c'est vraiment l'ensemble des activités physiques sportives, mais aussi de loisirs et de la vie de tous les jours que l'on adapte aux capacités des personnes atteintes de maladies chroniques, certes, mais aussi de handicap. L'objectif des professeurs d'activité physique adaptée est de prévenir l'apparition ou l'aggravation de maladies, d'augmenter l'autonomie et la qualité de vie des patients, voire de les réinsérer dans des activités sociales. Donc on est bien là en dehors des murs, des centres de rééducation, et c'est pour ça qu'essayent de se développer des activités de physique adaptée par le biais d'associations. Handisport en fait partie, mais on peut aussi tout à fait sur Amiens Métropole trouver des partenariats. Donc en conclusion, la médecine physique et d'adaptation, c'est une spécialité médicale, mais qui prend de façon globale le patient, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de différences dans différents types d'AVC. L'adaptation à chaque situation, puisque chaque AVC est différent. Les nouveautés de la prise en charge ont toujours le même but, c'est de favoriser la récupération, de diminuer les incapacités, de diminuer le handicap. Mais toujours dans le même objectif, de stimuler le cerveau par différents portails et essayer de minimiser toutes les conséquences. Mais ne pas oublier l'après, c'est un rôle important, un rôle social, avec des ouvertures, avec le réseau TCAVC Hauts-de-France qui a pris en charge maintenant la partie Picardie, l'ouverture de GEM, de groupement d'entraide mutualiste, la MDPH qui sont là pour accompagner nos patients après les centres de rééducation. Et puis les programmes d'éducation thérapeutique avec la création de programmes qui vont être là pour essayer aussi d'accompagner le patient. Et c'est vrai que par exemple, nous, Socorbi, un programme va être déposé plus dans le but de majorer l'autonomie, mais surtout de faire comprendre au patient comment il peut demander de l'aide et quelle aide il peut mettre en place. Donc merci pour votre écoute. Bien, merci
Merci Chantal, merci Valérie de nous avoir réexpliqué ce qu'on fait au quotidien dans nos services depuis les premiers symptômes de l'AVC jusqu'à la réadaptation qui peut durer longtemps. Hermine Hartz, bonjour, ici le Cloud. Une première question à vous poser. Pourquoi les femmes sont-elles plus atteintes, Hermine ? Vous avez évoqué premier taux de mortalité chez les femmes. Pour quelles raisons ? Qui c'est qui répond de nous trois ? Si on va peut-être laisser la neurologue répondre. En partie, c'est parce qu'il y a l'espérance de vie des femmes qui est plus longue et donc il y a plus de femmes atteinte au 3-4e âge, et donc il y a une explication par simplement le nombre de femmes atteintes. Merci madame. De nouveau le cloud. Les personnes sous anticoagulants ont-ils plus de chances de faire un AVC ? Non, c'est l'inverse. Le traitement anticoagulant, c'est un traitement qui va fluidifier le sang, qui va donc empêcher la formation de caillots. Évidemment, peut-être la question de l'internaute, c'est de parler des effets, des complications des traitements anticoagulants qui, je l'avais dit tout à l'heure, peuvent entraîner malheureusement parfois des hémorragies et notamment des hémorragies cérébrales. Mais vous comprenez bien que si on administre un traitement anticoagulant, c'est quand même parce qu'on y a un bénéfice et que le bénéfice est supérieur au risque. Et notamment avec les nouvelles molécules, le risque d'hémorragie est bien moins important. Donc non, les traitements anticoagulants permettent de prévenir les infarctus cérébraux. Merci. Autre question. Le lien arythmie pacemaker AVC. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas la personne devant nous. Un patient qui a un pacemaker, il y a beaucoup de raisons de porter un pacemaker, mais notamment parce qu'il y a un problème de trouble de la conduction. Donc un cœur qui bat trop lentement ou un cœur on parle de pause cardiaque et c'est une des indications de la pose de pacemaker. Alors, l'arythmie, le pacemaker n'entraîne pas d'arythmie. Donc, je ne vois pas trop bien le lien. Il y a maintenant des appareils, et donc je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de cardiologue pour répondre, mais il y a maintenant beaucoup de progrès dans ces appareils, et on peut effectivement détecter une arythmie chez un patient qui est porteur d'un pacemaker. L'AVC est en lien, l'arythmie par fibrillation auriculaire est une grande cause de l'infarctus cérébral. La seule chose qui nous ennuie, nous, c'est que parfois les pacemakers qui ont été posés il y a longtemps sont incompatibles avec l'IRM et donc peut nous poser des problèmes pour la prise en charge en urgence. Il y a le scanner qui permet de lever l'obstacle. Merci. Les AVC surviennent-ils davantage dans une période ou une autre de la journée, la nuit, le jour, par exemple ? Non, il n'y a pas réellement, à ma connaissance, en tous les cas. Simplement que l'on sait que les AVC du réveil, évidemment, pose problème puisque je vous avais bien expliqué que il y avait la nécessité de connaître l'heure du début pour prendre en charge les patients avec les nouvelles thérapeutiques.
mais maintenant l'IRM encéphalique permet de répondre en partie à la question. Voilà, mais il n'y a pas d'heure, c'est pas plus à 15h qu'à 3h du matin. Merci. Docteur Leclerc, si un membre est rétracté suite à un AVC pendant longtemps, est-il tout de même possible, après plusieurs mois ou années, de le rééduquer afin qu'il retrouve quelques-unes de ses fonctions ? Un membre qui est déformé donc, ou rétracté, la première chose, ça va être d'essayer de le rendre dans sa forme classique, on va dire. Si ça depuis plusieurs, enfin si monsieur dit, enfin ou la personne dit longtemps, on a la toxine peut-être. Après, je pense qu'il y a quand même l'indication de la consultation médico-chirurgicale. Après, la question de savoir est-ce que ça va être fonctionnel, c'est toujours compliqué parce que une fonction, enfin comme je disais tout à l'heure, la récupération d'un muscle c'est quelque chose, récupérer une fonction c'est autre chose. Et c'est pas forcément un problème de délai, c'est pas forcément un problème de technique. C'est des fois un volontaire à notre volonté. C'est aussi la nature qui va faire la. Donc ça, on est un petit peu c'est indépendant de notre volonté à nous. Donc il n'y a pas de réponse. Oui, ça va être possible si on détracte un membre, ou non, ça va être impossible. C'est vraiment du cas par cas. Et après, il y a beaucoup de facteurs à côté qui vont permettre de dire si oui ou non il y a une fonction. Dernière question du cloud. Existe-t-il un examen qui permette de détecter et un traitement pour prévenir les AVC? Ce serait le rêve qu'il y ait un marqueur biologique qui puisse nous dire que le patient fait un infarctus cérébral ou une hémorragie cérébrale plutôt que une imagerie. Non, donc on peut pas. Vous pouvez peut-être me répéter à nouveau la question, monsieur. Alors, existe-t-il un examen qui permette de détecter et un traitement pour prévenir les AVC ? Alors, de détecter un AVC, oui. L'imagerie, l'IRM ou le scanner permet de voir si on a un infarctus ou une hémorragie cérébrale. Et ensuite de... Un traitement de prévention. Alors, de prévention, l'accident vasculaire, oui, c'est la prévention primaire, c'est-à-dire la correction des facteurs de risque vasculaire et, par exemple, le traitement anticoagulant d'un patient qui est porteur d'une arythmie par fibrillation auriculaire. Merci, madame. Eh bien, écoutez, je vais vous remercier, en tout cas, mesdames, puisque finalement nous avons fait cette première conférence dans des délais records. Nous avons subi ce confinement. En 4 jours, nous avons été obligés de nous réorganiser. Je tiens en tout cas à remercier tout le monde, vous mesdames, puisque finalement c'était annulé jusqu'à dimanche et on a tout réactivé lundi matin. Donc je vous remercie pour votre réactivité. En tout cas, je peux vous assurer que c'est avec un énorme plaisir que nous avons maintenu cette conférence. Madame Magdassi, vous le disiez en entrée, le Covid est là, mais les autres pathologies aussi. Le premier confinement, on a vraiment mis de côté toutes les problématiques de pathologie. Il faut vraiment, sur ce deuxième confinement, et malheureusement, on parle de deuxième, on ne parle pas de second. On parle de deuxième confinement, donc il est fort à penser que nous connaîtrons d'autres épisodes. Et il faut vraiment que le soin, les parcours de soins continuent et que le Covid, il faut se protéger. Pour les autres pathologies, il faut se soigner. Mesdames, messieurs, bonne soirée et encore merci. Merci.